Nouvelle vraiment triste ça, surtout moun ki te genyen moun yo proche yo ki t'a rentré Port-au-Prince. Eh ben c'est environ selon ça que nous genyen comme information, mais de jour en jour, minute après minute, l'isla pou augmenté parce que gen moun yo qui était dans état très très critique qui était sous cabane l'hôpital. Mais c'est pour ça nous connaît, c'est 14 moun qui mourir sans compter divers l'autre qui blessé grave. C'est bilan partiel qu'aucune chaîne accident circulation ça qui fait hier mercredi à sur route nationale numéro 1 dans le niveau Caries, d'après sa juge de paix à Caria, Henri-Claude Louis-Jean, lui-même rapporté. Toutefois, d'après protection civile, c'est 21 personnes qui ont mouru sous place dans un terrible accident ça, suite avec collusion entre un petit bus Papadap qui a sorti Ponsondé pour entrer Port-au-Prince avec un gros bus qui fait Santo Domingo qui a pralé Gonaïve. PRR, image vraiment, vraiment, vraiment. Nous apprenons tout le monde qui était dans le bus Papadap là, yo mouri et nous ouais ça là gagné de nouveaux morts après yo été transporté plusieurs dans victimes yo l'hôpital. Nous gagné avec nous en ligne depuis Akayem, juge Henri Claude Jean Louis qui t'a fait constat, oui, Louis Jean qui t'a fait constat. Yo. Donc avec lui nous allons gagner plus de détails concernant circonstances accident, concernant quantité victimes. Magistrat, bonjour. Bonjour. Donc, où tu es parmi les premières autorités qui sont arrivées sur place pour constat légal et ou qu'à partager quelques informations avec nous concernant circonstances accident et quantité exacte de gens qui mourent et qui blessent dans l'accident. Bon, hier après-midi, il était en environ 5h30. Rivé pour 6 heures, la police t'a informé de l'accident, terrible accident ça, qui est arrivé dans une zone sous scrutin. Il y a une zone qui est trouvée entre Caries et Williamson, sur le national là à Caries. Et moi, pas de prendre temps pour me dériver sur les lieux. Et moi, j'ai dit que la police était dans sur place. Et après constat légal, moi, j'ai été nombré 14 cadavres. 14 corps sans vie, que avec aide messieurs dames protection civile dans la commune qui était capable de retirer mon ça dans papa d'absa pour être et avec un peu de difficulté pour les mettre au dehors. Et puis papa d'absa est à transporter 15 mouns sortis pour santé pour aller à Port-au-Prince. Il y a 14 personnes qui étaient en dedans et il y a 15e monde, c'était dans l'échelle de l'ADR. C'est les gens seulement qui étaient en vie. Après, tout le monde qui était en dedans n'a pas d'avoir mouru et puis me constater. Et ensuite, après, il y a des gens qui étaient blessés, qui étaient transportés à l'hôpital. Et il y a deux hôpitaux dans la commune qui baillent service, c'est l'hôpital réformé de Saint-Anne et l'hôpital de référence, Nicolas Armand qui est dans la ville. Ensuite, je suis rentré dans l'hôpital réformé, je suis constaté 3 blessés. Et là-dedans, je suis sorti dans l'autobus qui a suivi le trajet Santo Domingo qu'on arrive là. Et l'autre là, c'était survivant qui était dans Papa d'Apla, qui était dans toute situation, qui était confirmé pour nous que Papa d'Apla a gagné 15 monde. 14 mouris, c'est seulement lui-même qui vivant. Parmi les gens qui mourent, combien de filles est-ce que tu as un petit monde comme passager? Non, pas de petit monde. Moi, j'ai constaté 8 filles et 6 garçons. Et dans le bus qui t'a sorti au Saint-Domingue, pas de blessé. Pas de mort. Pas de mort. Pas de mort. Moi, pas connais si. La quantité de blessés qui sont allés dans l'autre hôpital, mais ça m'a constaté qui est blessé, je suis capable de constater 3 blessés pour le bus là, qui était sorti de Saint-Domingue dans l'hôpital. Avec l'autre blessé, c'était dans Papa d'Abla. Quelle information vous avez sur la circonstance d'accident? Comment le produit? Comment ça arrive? D'après les gens qui vivent qui étaient dans. Autobus là, au connaître qu'on a pris le fait qu'il est tombé, l'État a informé moi que c'est au
autobus qui sortit Saint-Domingue là qui portait bourré sur petit papa d'ap là qui occasionnait terrible accident ça. Mais information qui me gagnait avec QIO qui était sur place, on dit c'est tous les deux choses, c'est cause excès de vitesse et imprudence après la pluie qui cause accident. Donc c'est sûr, après la pluie, hein, donc, comme la pluie n'a pas tombé quelques jours, route lent, t'es peut-être glissé, c'est peut-être un mauvais contrôle de yon là dans yo, qui vient cause croisement, ça n'a pris les collisions. Bon, et effectivement, c'est ça lui-même. Mais faut me dire que route nationale là, dans la zone Pamna, commune Pamna, je ne suis pas censé maintenant, ça ne m'a pas constaté un accident de circulation. Même le pas de monde mourir, mais toujours il y a accident sur route là. Et c'est ça que fait toujours demandé des chauffeurs. Pour prendre une conscience. Parce que la route là, elle est vraiment fragile. Parce que surtout pour chauffer papa d'avion. Parce que c'est dans un clin d'œil, il y a un vaisseau. Ah oui. Parce que bon, beaucoup de gens me rencontrent un papa dans sur la capo au ralenti. Parce que il est vrai, bus qui a sorti Santo Domingo et passager qui est dans papa d'app là dit que c'est autobus ça qui pote bourré sur yo, même qu'on est tous si chauffeur papa d'app a conduit avec prudence, moi pense qu'il était capable d'éviter l'accident. Ah oui. Oui, constat aussi presque chaque jour, nous faisons et nous toujours disons, sous tant d'autres gens, nous n'avons pas de PADAP qui sont dans la ville province, nous n'avons pas de PADAP ça. Puis il perdit, c'est quatre petits caoutchoucs en bas. Et des mesures, nous songeons qui te prend et côté même, voulait interdire pour PADAP ça, pas faire trop loin. Et dans la ville provinciale, parce que vous rendez compte vraiment, donc, les sous-route là, c'est Zelnando. Oui, sous c'est Zelnando. Trois manifestations, monsieur, ont été faites, l'autorité est obligée de retourner sous décision. Sous décision. Mais juge, dans le constat nous faisons, est-ce que tu as une possibilité de nous joindre quatre identités sous Mounio et comme ça, ou tu as capté son premier liste pour nous de victimes? Non, c'était matériellement impossible parce que il y a mon. C'est dans la valise où peut-être pièce sont capables. Et il y a quelques valises, il y a quelques chances de récupérer, nous te confier avec la police. Que faut mieux passer dans le commissariat pour aller vérifier, pour connaître. Mais nous n'avons pas de chance pour nous être capables d'identifier. Et la pluie a pas de finir tomber tout. Et l'essentiel, c'était de retirer le cadavre dans la rue pour nous faire transporter dans le mort. C'est ça que fait nous te confier cadavre ça avec deux entreprises funéraires qui sont dans la zone là. Nous te confier huit filles avec une et six garçons avec l'autre pour les familles venues pour facilement et identifier cadavre pour chaud dans le pont funèbre ça. C'est des cadavres qui sont faciles à identifier. C'est pas le cas qui a identifié. Je suis du Ponson. Ok. Pour rentrer par Port-au-Prince. Et d'abord, par Port-au-Prince. Voilà. Donc, bus est sorti en terre voisine. Il t'a pris quelle direction? Et bus qui sorti en terre voisine, il t'a pris direction Gonaïve. Gonaïve. C'est son trajet que compagnie ça a assuré chaque jour. Et il a monté, il a descendu. C'est-à-dire, mon cap sorti à Haïti par Saint-Domingue, sorti Gonaïve, il passe à Caye. Passer par Elias Pin pour rentrer Santo Domingo. Et pendant qu'on a rentré, toujours il y a une cap sorti.
OK. Et qui nous accompagne ça? Lusa. Moi pas connais non compagnie exactement parce que dans corpus salmaki Santo Domingo. Gonaïve. OK. Eh bien d'accord. Mais c'est un peu le magistrat. Magistrat. OK. D'accord. Ça n'a pas fait la guerre chiffre. Hein? On va parler avec Garnel Michel dans Stop Accident parce que gagnait oui, plusieurs monde qui ont été transportés à l'hôpital avant même que la justice soit arrivée sous place. Docteur Garnel, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre-Renel, bonjour Popsi et bonjour à toute auditrice, tout auditeur de Grand Boulevard. Donc nous-mêmes au niveau stop accident, qui s'en gagne comme élément de formation en plus par rapport à l'intervention au là de juge de paix qui t'a fait constat cadavre qui les mêmes dit les constater 14 cadavres deviennent sous place. OK. Et parce que l'intervention juge a été fondamentale, très importante, parce que dans CASA, comme autorité légale qui arrive sous place, mais remarquez que l'idou que l'arrivé vers, il a annoncé ça vers 5h30 et accident a passé vers 3h30, donc ça veut dire que l'arrivé un peu 2 heures après, c'est-à-dire que par rapport à l'heure informée là, et qui fait que l'ICA fait constat sous monde qui mourit sous place, mais les monde qui blessés, c'est qu'ils ont évacué dans le sang, ambulance a commencé à transporter monde, et il y a des machines qui commencent à transporter monde. Et Santa Cadi comme information additionnelle, bon, on va lire l'approche de nos bus là, c'est nous croyons que c'est Capital Faster. On va y s'arrêter. Et pour l'image, en tout cas, nous parler avec des monde qui étaient sous les lieux, et l'image tout montrer que bon monde qui en bas bus là, dit que mon dame, bus là tombé sous lit. Et ce bout de pied l'a regardé. Et bon, en fait, son drame, c'est vraiment une catastrophe. Et gagner, nous apprenons tout que gagner au moins un monde qui mourit pendant l'amener à l'hôpital. Et c'est le plus gros problème que nous jouons dans le cas. C'est que, ou pas même quand jouer une quantité de monde. Parce que pas de transport commun, en Haïti, pas de quel côté enregistrer le monde qui monte. C'est-à-dire que ce bus-là, monsieur que le monde qui était monté, qui était derrière, qui a des informations, il y a des informations de cavale, même certains qu'il y a des informations de cavale, en plus que son monde qui sous-choque. Donc, voilà, nous, et faut que nous considérions l'information que protection civile a là, parce que il y a un coordonnateur régional que protection civile a été présent. Et en tout cas, oui, information que nous joignons sur le site officiel de protection civile, que nous parlons avec un agent de protection civile, tout parler de 21 monde qui t'a mouru sur le champ. Et j'ai l'impression que seul ça a gagné, parce que nous n'avons pas l'information exacte là. Il y a des monde que peut-être que, parce que l'agent de protection civile là, bon, en fait, c'est pas un médecin. Et il y a des gens, on est s'il reporté comme des gens qui mourent, parce qu'il y a des gens, leur ambulance est arrivée, il y a des gens, selon eux-mêmes qui n'ont pas mouru, notamment en dame, ils ont pris le transporter. Donc, on est s'il c'est des gens peut-être que des cas contrôlés pour moi, parce que c'est des gens qui leur parlent avec eux, pas qu'à répondre, c'est des gens qui perdent du côté de ça, c'est des gens qui sont extrêmement graves. Mm-hmm. Et en un cas accident, ça, il y a pile trop ma crânie, il y a pile mon tête qui est frappée, tête qui est crânée, ou ouais, imagine. Donc, son situation vraiment compliquée que nous pas à éviter, parce que notre des commentaires tout à l'heure, bon, c'est dit ça clairement. Le la pluie, quelques jours la pluie va tomber comme ça, le la pluie a fait qu'à farine, on a fait tomber, tout petit crack-out. Transformé, on l'a glissé. Et que vraiment, fort machinio, fort chauffeur machinio, c'est presque campé pour t'accaper. Et donc, on est que les gars se transforment comme là, avant l'état à demander pour respecter le nom. Vous pensez de partager qui ont même déjà tellement pressé. Vous pensez de partager tellement pressé. Oui, oui, il y a couru pour arriver pour retourner. Vous pensez de partager tellement pressé, tout cas, moi, des chauffeurs, c'est comme un coup là. Donc, c'est une situation que vraiment compliquée. Et monde qui mourit là, au fond, c'est des innocents. C'est des gens qui arrivent dans la station.
il va choisir qui bus pour monter, bus qui a chargé à monter. Donc, et puis, monde, ça va perdre la vie dans l'état, ça, parce que apparemment, il n'y a pas de place à plusieurs rouleaux. Mais, en tout cas, c'est des catastrophes que nous avons évitées. Parce que n'importe qui a vini les questions, hein, excepté cette question question de mauvais comportement humain, mauvais comportement chauffeur, mais pas un moyen pour nous déresponsabiliser l'état. Parce que dans tout pays, nous avons fait excès pour toutes raisons, soit parce que c'est des affaires, soit parce que les blessés, mais il faut qu'il y ait une autorité qui pour régler cette chose-là. Et c'est pour ça que nous avons toujours prôné pour que l'État crée une unité de police routière, ça qui va exister. Pas qu'une autre situation de sécurité qui va être quantité de monde à aux victimes d'un coup. Ouais. 50 000 environ aux victimes d'un accident, vraiment. Oui, catastrophe. Mm-hmm. Vraiment. Et qui ça ne fait de. En tout cas, des institutions sanitaires qui, aux alentours, on a parlé de l'hôpital, qui ont capacité pour recevoir blessés, surtout dans une zone, dans la route nationale numéro 1, zone ça, au niveau AK et Cabaret, qui toujours gagne accident. Est-ce que l'hôpital répond? Bon, premièrement, lorsque quantité de victimes KO, en général, l'hôpital a demandé pour déclencher le plan blané pour permettre que, parce que il n'est pas facile pour que bon, l'hôpital recevoir 30 monde additionnel que le papa tombe d'un coup, dans l'urgence pour que le ministère prise en charge. Mais nous reconnaissons tout mon problème sur nous. En pile fois, pas rien, l'hôpital qui a répondu. Mais maintenant, nous, on s'en sent, on connaît que Nicolas Armand, t'as qu'à faire beaucoup de main. Et même si nous, on s'est déjà éloigné de Saint-Marc, un plateau technique qui t'a qu'à faire prise en charge. Mais effectivement, c'est un petit problème qui est dans le pays. Donc, route nationale, nous, et le WAPERVE, c'est aussi un problème qui arrive. On va croire que y a trop l'hôpital qui a fait prise en charge. Mm-hmm. Et nous sommes un cas qui débattait avec l'ancien ministre de Santé. Donc, vraiment, nous pensons que c'est une stratégie pour que le ministère a été sous pied, renforcer structure qui est sous route. Parce que route nous, il y a un pile accident qui a fait sur nous, il y a un pile marché qui traverse ces routes, qui coupe route nous, mais pas y a suffisamment de structure l'hôpital qui a fait mise en charge ça. Alors, puisque l'on est cas d'accident, c'est des bagages spécialisés, c'est des bagages chirurgicales pour la plupart du temps, c'est des mondes mains cassées, pieds cassés, tête frappée. D'ailleurs, bon, question pour ma dernière même sous ville, il n'y a pas qu'à faire mise en charge ça. C'est que Bernard Meuse, bien Ballet, l'hôpital général a un certain moment, mais vraiment, il n'a pas qu'à faire prise en charge ça. C'est un autre problème grave qui gagne par rapport à la question, au point de vue sanitaire. Dernier aspect qui gagne dans la question sanitaire, là, que nous n'avons pas touché la plupart du temps, c'est l'aspect impact psychologique. C'est-à-dire que dans tout le monde qui perd du tête après l'accident, c'est-à-dire qu'il y a deux mondes. Moi-même, une bonne image qui est vraiment triste, parce que je vais regarder mon vidéo, je vais regarder sous même accident. Soit où est-ce qu'on dit ma console vidéo à guerre, il y a pas de monde qui campe la campe d'aller tout ça. Bon, c'est monde, on va regarder. Mais il y a tout le monde qui campe d'aller. Il y a tout le monde qui sous les lieux, qui a pris une précaution pour ne pas piler les têtes, monde qui crase à terre. Nous tournons à vivre. Donc, il y a des gens qui étaient dans la machine, qui étaient dans la machine, qui étaient dans la machine, qui mourent devant le confort, bon, ça, il y a des séquelles sur le monde. Alors, ce que nous connaissons, c'est sur la santé mentale, là, nous pas parler de la réalité à ici. Donc, on va compliquer le trauma par eux, par quel suivi, quel traitement. Et si on voit 2004 et 2004, les moins graves communes qui vont vous avoir, qui vont impact psychologique que va avoir sous lui. Donc, c'est un autre cas que nous peut-être devons réfléchir sous lui comme pays pour que nous abordions. Merci un peu, le docteur Garnel Michel. Bonne journée. Voilà. Même journée hier, c'était tension dans Port-au-Prince, caoutchouc a boulé et puis route était bloquée dans divers côtés, ces habitants dans diverses zones en région métropolitaine qui ont fait encore été levé campé et ont dénoncé phénomène kidnapping suite à plusieurs kidnappings qui signalé
Hier, dans Port-au-Prince, il y a un mouvement protestation qui était la cause d'activité au paralysé et puis créé gros blocus plusieurs côtés sous Bois Verna, par exemple, citoyen a demandé libération. Yuri, un jeune étudiant bandit kidnappé hier mardi, pendant même journée, mardi, un bandit kidnappé citoyen Manuel Gaston dans zone la Lyon. On suit un reportage avec Peterson Examen. Li fait 10 an matin, zone Bois Verna est en mode protestation. Wash, Mosso Bouteille, Fatra, Simae sous toute route là. Gros camion campé en croix. Circulation paralysée dans zone ça, machine pas circulée. Plusieurs jeunes garçons, Wash, Bouteille en main, mobilisés. Y a fait pression sous chauffeur moto pour casser tête tournée. C'est habitant zone ça qui levait camper pour dénoncer kidnapping et puis mander libération Yuri Derival, yon petite zone nan bandits à Koloraï kidnappé bourré la yon machine Zoriken yemadi 27 avril là vers 7h à soir pendant chita dans zone là avec Zamil jeune garçon ça était présent la PC retourné sous zak malhonnête ça cher on est nous là même chita avec monsieur là nèg descend sous machine à gros am manche le men yo fouye nèg yo prend ba nèg yo hier soir vers 7h 8h c'est un petit dans zone là le fait li levé là nous là il fait dans zone là nèg yo kidnappé là et aller après ça toute l'autre nèg yo pointé sur yo fait nèg yo prend téléphone nèg yo prend bourse nèg yo papa Yuri c'est un boss ébéniste qui bat de l'eau pour faire bé ak yon vieux galère yon mosogoine li fait un pile sacrifice pour faire l'élévation petite li jusqu'à ce qu'elle arrive dans 4e année faculté protestataire dit yo pa ba yon goud faut que Yuri libéré sinon yo menacé bloquer toute zone là c'est pour monsieur lagué parce que c'est un petit malheur lié monsieur bagay l'argent en mel c'est pour libérer nous pas dans négociation avec kidnapper je va libérer jodi a boy ça bloqué net ti jou bloqué situation ça paralysé presque toute activité sous Bois Verna plusieurs business té obligé rete ak porte yo fermé nous quitter Bois Verna nous prend direction l'ali. Dans zone ça, situation paraît piment gommé. Flamme dit fait caoutchouc a monté 17 rotés. Ti machin qui t'a commencé à installer marchandise yo a ramassé. Citoyen yo a fait rapide pour entrer la caille tant que c'est cyclone qui annoncé. Population la li a levé campé et puis bloqué route là pour dénoncer kidnapping qui fait pendant même journée mardi a sous citoyen Manuel Gaston Orival, yon ancien commissaire police. Information yo fait quoi? C'est en dans la caille Noriel Nord Alexis kidnappé yo rentré prendre. En tout cas, kidnapping nous tourner en réalité dans la société. Une semaine pas jamais passé pour plusieurs familles pas crier à cause yon petite, yon maman, yon papa ou bien yon proche bandit kidnappé. Alors ce que autorité en place qui gagne pour mission assurer sécurité population fait silence sous cause ça et puis continue à faire lobby pour référendum ak élection. D'après plusieurs citoyens, attitude ça montrer à clair sécurité population pas intéressé autorité dans l'état et puis yon pas innocent dans phénomène kidnapping là. Peterson Luxama, Caraïbes FM. Merci un peu, Peterson Luxama, gagné rectorat Université d'État qui sorti une note tous sous enlèvement. Jeune ça, n'a gagné pour retourner avec lui tout à l'heure. Donc, Zach. Dossier quitte, dossier? Oui, Kounia, c'est pas l'Église catholique encore, c'est pas CEH, c'est rectorat université, hein. C'est sûrement qu'il va parler pour enseignante là, il va parler pour étudiant ça, dossier religieux, mais même c'est ça, c'est du passé. Oui. Ça a jeté le net dans le panier de l'oubli, oui, quoi. Oui. Donc, pour question, on va parler pour infirmière là, c'est ça, professeur là. Bon, tu as sorti notre poli. Poli. Poli, notre là, c'est pour étudiants qui les mêmes dans sciences humaines. Donc, rectorat. Tu as l'association Anadip, les mêmes tout, pour le gagner, pour sur ton note pour. Pour militer et pour plan. Oui. Même genre, mouvement fait hier, après ça, toute bagarre est finie. Ouais. Et puis, c'est comme ça, on a vivre. Et semble Maouzou qu'elle a coupé tout contact avec le monde. Oui, c'est ça. Être, oui. Religieux, etc. Depuis quelques jours. T'es quelqu'un qui était très très souffrant. Il te dit que c'était Maïoul qui t'a servi pansement pour ventre lui. Mais c'était victime déjà. Il n'est pas cartouche. C'est chaque deux jours pour pansement t'es fait pour lui. De lui dire c'est Maïoua. Qui dit je veux le pansement. Hein? Et je te dis contrairement, avec quelques autres monde les ont enlevé qui ont un petit de l'eau. Petit de l'eau qui plus ou moins. Petit de l'eau traité.
moun mette nan zon yo vann galon yo. Bien kote 8 dola, bien kote 10 dola, men pou prèt yo, pat gen chans sa. Yo di mse vye de l'eau, rivière la. Kote tout moun ap fè, tout sa yo konen, e se de l'eau sa yo la gen an gojet yo. Donc, si lan mou koupe kontak a tout moun nan kat kesyon sa, donc, qui s'allie exactement. Oui, bon, non, non, est-ce pas, que pas l'information, yo. Est-ce que vous ka continuer parler de yo ou bien ça passe parce que cap vin monter cas sous cas. Oui. Jack sous Jack. Oui, cap lié l'absé sous clou. Oui. Cap oublier votre cas. Donc des fois plus penser sous ça plus récent. Récent, oui. Ça passé à ou presque oublié. Oui, oui. Ah oui. C'est pour ça électoral il parlait de séquestration en série et il fait un appel à élite et à société haïtienne. Non, retour à l'université l'État d'Haïti dit la prendre avec un pile douleur et enlèvement suivi de séquestration étudiant en psychologie dans la faculté de sciences humaines Valérie Yuri Léonard de Rival mardi 27 avril là dans Port-au-Prince 48 heures avant ça il était dénoncé kidnapping professeur Marie-Josette Malvoisin dans la faculté de médecine à pharmacie, rectorat pour tes soutiens par les familles étudiants de Réval, à professeur Malvoisin, à toute communauté universitaire là et c'est là qui est dans la faculté de sciences humaines, à la faculté de médecine, à la pharmacie en particulier, rectorat a réclamé libération immédiate et sans condition Mounsayo. Rectorat dit le regret inaction. À capacité autorité qui chargée pour garantir protection à vie à bien yo je dis un kidnapping à insécurité banalisation la vie à la mort fait partie et quotidien non tout secteur dans la vie nationale là, touché par situation ça dernière semaine ça yo société haïtienne a pas crié de assassinat en pile jeunes surtout jeunes étudiantes en sciences infirmières université Notre-Dame d'Haïti hein. Là il y a parlé de Marlene Flora à Nérestan séquestration plusieurs religieux depuis plus passé 15 jours sans compter plusieurs autres monde qui victime nan yon sens ou bien nan yon lot nan vague insécurité ça rectorat lancé yon appel pressant et solennel bay élite haïtienne nan société haïtienne en général yon façon pour assumer responsabilité yo face à situation ça payant a pas connait donc voilà pour notre ça qui daté 28 avril 2021 unité communication UH là mettez dehors kasuka tellement kayo en pile. Et ou ap mande ou que est-ce que DCPJ rive fait travail comme ça doit parce que bon constat il faut que nous fait li il faut que nous mande la police tout qui les grève la pleve parce que grève manche non ça tout moun wè tout moun wè ah yon grève li, ah mon chef faut ta aveugle seulement pour parler la police nationale en grève faut ta aveugle ou pas wè la police la pas sous travail la police la en grève la police la en grève. Ou même, gè des côtes au bat pour arriver là. Et comme ça te connaît dans le temps. Pas gagner de visibilité ou qu'on ouais, pas gagner de présence ou qu'on ouais. Oui, oui. On s'est dit en droit de pour arriver là-dedans, ou à jouer un patrouille policier. Mais que je dis à ou pas elle, m'a demandé si même grève ça que nous constatons à travers les rues de Port-au-Prince, est-ce que grève ça arrive sous des CPJ toujours? Parce que on s'est dit cas. Mais c'est vrai. On va parler là, DCPJ même depuis le kidnapping, ça bouge en temps d'opération DCPJ maintenant, non? Comme si opération pour libérer otage. Non, le vin de monde, il faire une internade. Pourquoi t'en dis ça? Il est plus facile qu'on y a si vous êtes kidnappé ou pas gain temps à aller dans DCPJ, là, sortir pour dire DCPJ ou dans la rue. Il est plus facile pour arrêter. Mais aller pour dire, mais numéro Caprileo, des fois, kidnappé à connaître les gens pas dans DCPJ. Et puis, mon nom dit mettez le sous-speaker. Mettez le sous-speaker, attendez. Vous regardez mon nom, vous regardez l'autre, et puis vous dites allez. Vous dites allez, mais s'il t'a libéré, il n'a pas couru, il dit ça. Vous regardez, ouais, il n'a couru. Donc, son situation compliquée, qui est à vivre là. Est-ce que disparition Marlene Nérestan n'est pas vraiment choqué conscience en de la société ça? On mange quitte comme ça. Hein, gaspiller, Jean le gaspiller là. Pas de monde qui a répondu une question. Pas de monde qui t'a dû à bailler quelques détails. Et donc, si
et même DCPJ ça n'a gagné dans période petite demoiselle là ou bête correctement ou bête d'avoir domino correctement là ou t'as venu ou bête avec l'autre ami là avec domino parce que je ne sais pas ce qui passe. Bon, regardez Tintinade, Gary fait nous faire là, on bonne Tintinade. Puis vous l'apprenez l'eau, la bagarre. Oui, le premier monde qui a parlé, il dit. Mais beaucoup Gary. Donc, ou nos situations, avec ce que j'en décrime ça, maman et papa petit qui n'ont autorité dans le pays d'Haïti, crime ça va bouleverser nous.